Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et on se retrouve pour le test gameplay de Final Fantasy Dissidia NT sur PlayStation 4. Édité et développé par Square Enix avec l'aide de Koei Tecmo et de Team Ninja. Sorti officielle le 30 janvier 2018 et Peggy nous le déconseille au moins de 12 ans. Premier point sur lequel on va s'attarder, l'histoire. L'histoire, et malheureusement c'est un point négatif qui s'offre à nous, j'aurais bien voulu un petit mode solo pour ce jeu de combat, et puis au final en fait, ce n'est que des séquences. Le mode histoire, ce n'est qu'un suivi de cinématiques, vous pouvez le voir, on les débloque au fur et à mesure que l'on fait des combats, on gagne des points de déblocage pour trouver, pour débloquer une suite scénaristique, mais uniquement cinématographique. Donc voilà, j'ai deux points à accorder, je vais débloquer celle-ci que j'avais déjà trouvée dans la bêta et celle-là je ne la connais pas. Donc voilà, ça va être cadeau. Cette séquence, comme je ne l'ai pas vue, je vais la découvrir avec vous, comme ça vous allez peut-être pouvoir voir dans cette séquence de quoi il en retourne. みなさん、私の祈りが届いたようですね。よく集まってくれました。私がマーテリアです。マーテリア?って言われても、何者?無に帰ろうとする世界の救済のために、 私は生まれました。この世界に調和と秩序をもたらす神です。マーテリア。はい。世界の救済とは具体的に何をするのですか？世界の維持には戦いによって生じるエネルギーが必要です。 それは私の力では生み出せません。だから私たちを呼び集めたのか、強制的に。はい。戦わせるために。はい。そんな、いかにも神らしいやり方だな。 手段はどうであれ、この世界の調和のために力を貸せば良いのだろう。私の世界のために。お前の世界だと。これは何だ。カオス、あちらもそっくりさんかしら。 我が名はスピリタス。次元の残滓よりこの世界を統べるために生まれた神。スピリタス？いえ、知りません。この世界の神は私一人。ならば考えよう。俺とお前、 共に神を名乗るわけよ。この荒ぶる魂こそが世界を統べる力。<笑>違います。それは違います。<笑><笑>大丈夫か？ あのさ、すげえ取り込み中のとこ悪いんだけど、帰り道聞いていいか？いいえ。あ？皆さんはスピリタスを倒してください。 Décidément, le prince Noctis est vraiment je m'en foutiste, quoi. Enfin bref, fidèle à lui-même. Au moins, voilà, vous avez pu voir, c'était une très bonne séquence que j'ai pu vous proposer, en fait. Vous avez pu voir les protagonistes et antagonistes que nous propose ce jeu de combat de Final Fantasy.
Donc du coup voilà, donc ça c'est le menu, hein, je vous apprends rien, de toute façon tout est écrit dessus, options, trésors, les combats en ligne. Et on va s'attarder sur les combats hors ligne dans un premier temps, que je vous montre du coup. Nous avons le mode express libre, c'est pour faire ce que l'on veut, le mode express, voilà en quoi ça consiste. Du coup il y a deux choix de combats si je me souviens bien, voilà. On va se contenter du standard, pas de spoil, le reste à vous de le découvrir. Donc on va choisir d'abord son premier personnage, voilà le roster, les 28 personnages, voilà, comportant protagonistes et antagonistes de la saga Final Fantasy. C'est du 3 contre 3, on fait jouer la corde sensible, je prends Jidan, forcément, FF9, ce fut mon premier, et par conséquent, généralement, le premier FF, c'est notre préféré. On va faire un petit trio gagnant, je m'explique, voilà, j'ai pris le 9 et je vais prendre le héros du 8. Et le héros du 7, hein, on va prendre Squall et Clad. Et oui, je dis Clad et pas Cloud, quand on est trop attaché à la version japonaise. Quand on a fait FF7 sur PlayStation 1, on dit Clad. Donc voilà, donc là, la difficulté de base, c'est du bronze, les combats qu'on nous propose. Il y a 8 matchs à faire, 6 matchs à faire, et au bout de ces 6 matchs, c'est le score cumulé de ces 6 qui va vous donner un rang, et vous allez gagner des points d'expérience, des jetons de déblocage pour les cinématiques, etc. Là, je vais prendre Léviathan, voilà, c'est ici qu'on choisit en fait notre chimère. La chimère qui est amenée à nous aider durant les combats. Pour prendre l'ascendant. Du coup, on va se friter contre qui ? Alors, j'ai vu Kefka, je vois Van derrière. Et c'est qui ça derrière ? C'est le chevalier oignon ? Je sais plus. Enfin voilà, donc L2, R2 pour switcher de personnage, la touche rond c'est pour taper, croix pour sauter, R1 pour aller directement sur nos ennemis, donc c'est un peu du Budokai mode en fait, hein. C'est assez DBZ un petit peu sur le style de combat. C'est vrai qu'on s'attendait à un jeu de combat plutôt à la Soul Calibur, etc. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas connu Dissidia sur PSP, c'était sorti le premier en 2009 et le 012 qui était sorti en 2011 ou 2012. Eh bien, là voilà, c'était... Quand on a connu ça, ça choque pas d'avoir un Dissidia NT sur console de salon comme ça. Et en même temps, graphiquement, il est beau. Vous allez me dire, oh, pourtant, il casse pas des briques. Ouais, mais bon, quand on a joué aux anciens Dissidia, voir nos héros de FF en mode HD, ben, c'est juste magnifique, quoi. Le but du jeu, qu'est-ce que c'est? Vous voyez qu'il y a 3 barres en haut, 3 barres bleues, 3 barres rouges. Enfin, 3 segments qui forment qu'une seule barre. Notre but en fait est de buter l'ennemi et même s'il n'a plus de vie en fait il peut toujours survivre. En fait c'est lorsqu'il n'a plus de vie, là je lui en ai enlevé une, avec carré en fait c'est une autre attaque qui leur permet de vraiment supprimer la vie enlevée en fait. Vous avez ce qu'on appelle des attaques ex et puis après des attaques PV. Il faut baisser toute leur barre en fait pour ensuite fournir caler cette attaque en fait et pouvoir les buter. Voilà, Jidan en transe, c'est juste monstrueux. Ça reste vraiment très propre au scénar, à tout ce qu'on a pu connaître des FF. On garde les... par exemple pour Tidus, ces sphère shots avec le Blitzball. Enfin, vous voyez, c'est plein de petits clins d'œil. Et puis en même temps, ils vont tout garder. Clad, quand il veut faire sa super attaque, il nous cale une contre-taillade. Enfin, voilà, c'est vraiment c'est très respecté. Que ce soit les overdrive, les limit break, les transe. Voilà, tout est respecté et ça, c'est vachement classe. Moi personnellement je m'en lasse pas, c'est un jeu quand même qui reste assez dynamique, mais bon après comme le combat est un peu bronze, enfin ouais, il est bronze en difficulté, vous voyez qu'il n'y a pas grand mal pour y arriver quoi. Avec le pavé tactile vous pouvez invoquer votre chimère, et donc on va voir, vous allez voir ce que Léviathan fait, il fait des petites bulles d'eau, enfin des grosses bulles d'eau, et dès qu'il touche, ben, les ennemis ils pètent au coin de la carte quoi. Je vais essayer de le mettre dans une des bulles. Ah, il ramasse. C'est juste incroyable. Après, c'est vrai que voilà, ça pète un petit peu partout. C'est inflammation de la rétine, limite à la crise d'épilepsie pour certaines séquences du jeu. Mais bon, que voulez-vous. Après, franchement, c'est un jeu que l'on ne peut que se permettre d'acheter en étant fan de FF. Je pense pas qu'il pourrait... Enfin, j'espère que si, qu'il pourrait plaire à d'autres personnes, mais...
quelque chose me dit que bon voilà, ça ne plaira qu'aux puristes de la saga, et encore voilà, on abandonne un RPG tour par tour pour passer à du Budokai mode en mode combat 3v3. On passe du coq à l'âne quoi. Voilà, c'est une victoire. Donc on va passer quand même aux choses sérieuses. Je vais quand même faire un combat en ligne histoire de vous montrer, parce que c'est ça le principe. Donc du coup, allez, je vous évite le temps de chargement, je scinde la vidéo et je vous dis à de suite. Alors, je suis avec Noctis et Kaina, et on affronte ben, le fameux trio gagnant. Donc on va voir, ça s'annonce peut-être un peu complexe quand on voit des ennemis aussi charismatiques que ben, les protagonistes des FF 7, 8 et 9. Le premier coup a été donné par mon adversaire, si j'ai pu lui en donner un petit pendant qu'il m'a enchaîné. Ouais, c'est vrai que les attaques descendantes... Pour vous protéger, ce sera la touche du coup L1. L1 avec un joystick, ce sont des esquives latérales. Carré pour faire la fameuse attaque, comme je vous ai dit, pour enlever la vie que vous aviez descendue au préalable sur l'ennemi. Merde, je voulais caler un carré sur Jidan, mais au final, en fait, il était grisé. Oui, quand vous prenez une sacrée dose de dégâts, vous êtes grisé, donc intouchable, invulnérable. C'est pour qu'en fait, il y ait quand même une certaine équité entre les joueurs en fait. Tout simplement, vous êtes invulnérable pendant un petit moment pour reprendre l'avantage, à moins que l'ennemi bah, du coup s'écarte et vous esquive. Donc du coup vous avez ce qu'on appelle un temps de répit. C'est un point positif quand même inventé par pour ce jeu inventé par Square Enix, parce qu'au moins ça laisse une belle part de parité, et c'est-à-dire que n'importe qui du coup pourrait jouer à ce jeu. Que l'on soit néophyte en la matière ou expert, lorsqu'on est invulnérable, vous aurez toujours l'avantage sur l'ennemi, ce qui est complètement logique. Du coup, c'est un mode un mode de fonctionnement qui est assez sympa, très simpliste, très primaire, mais il fallait y penser, ce qui permet donc du coup aux autres de pouvoir se prêter au jeu sans être dépassé par les événements ou par la complexité des événements du combat. Et donc ça c'est un bon point à accorder à ce Final Fantasy Dissidia NT. Là, oh bordel, ils étaient en train d'invoquer leur chimère. Allez, voilà, il est contre le mur, tant qu'il y a écrit faille, c'est là que vous pouvez caler votre attaque carré. Et là je vais faire un carré de suite après l'invocation. Allez, allez. Oh putain de merde, il l'a pas pris. Feiyesh. Donc là on va devoir esquiver des bouboules. Une barre enlevée chez nous, une barre enlevée chez eux. C'est pas grâce à moi qu'on gagne, hein, putain. Bon, ils m'ont foutu inconscient. On va se relever et on va faire... Hop, on se déplace, rond pour revenir dans le monde des vivants. Et là, il faut absolument reprendre le dessus, parce que si on meurt encore une fois, que ce soit un de nous trois, ben, on a perdu. Et eux, ils ont encore deux vies. Yes, c'est bon, ils ont qu'une vie. Le combat est tendu. Les combats sont quand même assez rapides, comptez 3 minutes grand max pour finir un combat. Oh là 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 là, c'est la victoire grâce à un de mes collègues. Un petit peu tendu. Bon, et ben voilà. Bon, je pense que je vais pas en dire davantage, ni en donner plus, parce que là ce serait clairement du spoil, parce que ce n'est qu'un jeu de combat, il n'y a que ça comme mode. J'espère néanmoins que cela vous aura plu. Je vous dis donc à très bientôt pour un prochain test gameplay. Portez-vous bien tout le monde, et à ciao !